Véhicule de conduite à droite, application de la loi le 1er novembre. La période de grâce de 3 mois accordée aux propriétaires des véhicules de conduite à droite sera expirée demain, conformément à la note circulaire du 16 octobre dernier, a rappelé le colonel Rakutundazaka Ange, directeur général de l'Agence des transports terrestres. La loi sera appliquée par la suite. Aucune dérogation ne sera acceptée à compter du 1er novembre prochain, a-t-il souligné. À l'issue d'une conférence de presse à Ampasapit, le DG de l'Agence des transports terrestres, ATT, a annoncé que les véhicules de conduite à droite qui sont toujours mis en circulation seront immédiatement mis en fourrière. Leur contrat d'assurance ainsi que la validité de la visite technique seront suspendus jusqu'à la régularisation de leur cas. Le ministère des Transports a communiqué en août 2008 l'interdiction de la mise en circulation des véhicules de conduite à droite. Une note interdisant l'importation de ce type de véhicule a été publiée en 2012. L'objectif est de renforcer la sécurité routière car le code de la route malgache suit le système de la circulation à droite.